Ouais, je le sais. Bah, ça, c'est des rapaces aussi, en vrai. Ouais, mais ça, c'est des rapaces. C'est des rapaces, en vrai, ces gens-là. Que là, moi, la chaîne, c'est pas mal parce que c'est une sorte de giveaway, en fait. La roue, en fait, c'est comme un giveaway. Sauf que c'est tout le temps présent, présent, présent. Et c'est que pour les subs. Quelqu'un qui sub, bah, tant mieux pour lui. Voilà. Sauf que c'est un truc anti-rapace, en fait. C'est des gens, ils sont obligés d'être sur le live, presque. Surtout que c'est un système qui va être présent tous les mois, ça veut dire que le gars, s'il se sub là, il se sub aujourd'hui, il va avoir la roue. Mais s'il prolonge son sub le mois prochain, il aura encore la roue. S'il prolonge le sub dans 2 mois, il aura encore la roue. C'est tous les mois pareil, en fait. À chaque fois qu'il subera, il aura la roue. Tu vois ce que je veux dire? Donc la présence, c'est quand même important. Et c'est complètement cool de payer un sub. Bah oui, c'est complètement con de payer un sub à 4 euros par mois pour pas venir après pendant un mois. Je trouve ça complètement débile. Foutre un sub sur une chaîne. C'est possible, oui. C'est vrai. On peut le faire aussi. Mais à un moment, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire des giveaways exprès pour les subs. Mais bon, il n'y a pas assez de subs. Quand tu t'en as 2, 3 subs, 4, 5 subs max, c'est pas la peine. J'avais prévu tout ça, faire des giveaways pour les subs. J'avais prévu de faire des giveaways pour les subs, mais fallait avoir. Ouais, non, mais 4, 5 subs, non. Non, tu fais pas de giveaway à 4, 5 subs. Non, non, non. Non, ça sert à rien. Parce que les autres, ils vont se dire, mais attends, le mec, il fait un giveaway et il fait gagner que 5 personnes. Ça, quand tu marques giveaway sur un live, ça va attirer du monde. En vrai. Et après, si tu dis que c'est que pour les subs, ils vont se dire, mais il est con, lui. À 4-5, voilà. C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire, Johan? Lol. C'est ça le gros problème qu'il y a, en fait. Ah, il pleut, Alex? Alex, le mal aimé. Lol. Ah, c'est ce que je pensais, je m'en doutais. Ah, fallait s'en douter, il part pas quand il pleut violemment. Et s'ils peuvent pas faire les qualifs, ils peuvent les faire demain matin. Et s'ils peuvent pas vraiment pas les faire demain matin, bah, ils vont reprendre les départs de les essais libres 1. Et là, c'est un gros coup de tonnerre parce que tu prends Ferrari par 13 et 16. S'ils reprennent les essais libres 1. Pourquoi il n'y a que des bottes? Bah, il part troisième, Hamilton. T'es troisième au qualif. Non, non, il est troisième. Aux essais libres 3, il a fini troisième, Hamilton. Ah, oh merde. P18, ça veut dire 18ème place, Johan. Mais je crois qu'il était 3ème. Hamilton, mais je crois qu'il était 3ème aux essais libres 3, Hamilton. T'es pas 18, c'est aux essais libres 2 qu'il était 18ème, Alex. Aux essais libres 2, ouais, il était 18ème, Hamilton. Exact. C'est même au 1. C'est même au 1. Je me rappelle plus. Non, 2 ou 1, je sais plus. Mais aux essais libres 3, non, il était pas 18ème. Je crois pas, ou je me trompe de course? Non? Non, je me trompe pas de course. Faudrait vérifier, faut aller vérifier, j'ai un doute. Faut aller vérifier. Je confonds, c'est peut-être Bottas qui a été troisième. Je sais plus. What? C'est quoi ce flou qu'il y avait? Ah, c'était peut-être Bottas qui était troisième. Ah, j'ai un doute en fait. Tu me fais douter, Alex.
Après, quelqu'un peut aller vérifier. La boîte. Je l'ai pas vu. What the fuck, je l'ai pas vu. Ah ouais, ils vont quand même partir. Bah, je suis pas en rentrée, je suis en match à mort là. Mais bon, j'espère que Verstappen est. Merde. Ah bah les gens qui en a en match à mort, ils font leur vie, je te le dis. Félicitations à toi Alex pour te mettre ça par. Je sais même pas tirer moi. Bah surtout que j'ai redérante Nova 1, c'est sûr que je peux gagner. Je suis pas resté Nova 2 longtemps, je suis resté 2 games Nova 2. Non, 3 games. 3 games, à peu près. Vu qu'hier j'ai perdu 3 fois d'affilée. Ouais, c'est vrai que CSGO, je joue beaucoup tout seul. Je joue beaucoup tout seul à CS en vrai. Mais un peu comme avant en fait. CSGO, en fait, je l'ai remis, mais je joue tout seul. En vrai. Et comme moi, j'ai plus envie de retourner sur Valorant parce que je suis vraiment nul à chier, c'est pire que CS, donc voilà. Sur Valorant, tu tournes à 4 kills, c'est pas la peine. En fait, c'est s'il y a personne qui joue avec moi, Bonnerne. Ça fait un moment que ça dure, je le dis tout le temps. Les gens, ça n'aperçoit pas parce que Tokita et tout, ils se disent, bah, mais si il y a du monde qui joue avec toi, c'est faux. C'est complètement faux, ouais. C'est s'il y a personne. Parce que les barons qui jouent pas avec moi et les orangs peuvent pas jouer avec moi. Putain. Donc, voilà. Et là, je suis en grosse difficulté sur ce match mort. En vrai, je suis en difficulté là, je vous le dis. Parce que je vois pas ce que je peux faire comme jeu multi aujourd'hui en fait. C'est ça le problème. Et là, le problème, c'est que je vois pas du tout ce que je peux faire aujourd'hui comme jeu multi moderne.
Oh là, j'ai eu un coup de lag. Valorant, comme tu dis, Valorant, je progresse pas. Mais ça donne pas envie d'y jouer. Mais F1, c'est pareil. F1, il n'y a pas grand monde qui joue en multi, surtout que le jeu il bug. Il n'y a pas grand monde en multi. F1 2021, il n'y a pas grand monde qui l'a, surtout. En plus, mon volant n'est pas installé en plus. Bah ouais, mais enfin, moi il m'énerve de plus en plus, F1 2021, il a pas mal de bugs. Je trouve que F1 2021 c'est le jeu le plus buggé qui a été sorti de chez Codemaster depuis plusieurs années. Mais bon, je remercie EA parce que c'est EA qui a fait ça. C'est même pas de la faute de Comaster, c'est EA. Malheureusement. Mais bon, on en prend l'habitude avec EA. On en prend un peu l'habitude avec EA. C'est pour ça que je voulais pas prendre Battlefield 5, Alex, si c'est pour la même raison. Parce que Battlefield c'est EA. Et c'est ça qui me dérange chez EA en fait. J'ai même pas vu. Entre les jeux Ubisoft et GIA, on n'est pas garni. Je vous le dis. Ouais, c'est. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça. 32-34. Bon. On va partir en compète. Mais là, par exemple, je vais vous dire la vérité, là, je vais jouer à CS. Mais quand vous voyez ce que j'ai fait en match à mort, je m'inquiète. Je m'inquiète grave parce que pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, en vrai. Après, tu vas dire, bah attends, t'as quand même... il y en a qui vont dire, bah t'as quand même fait 32 kills. Ouais, mais bon. Bah s'il pleut c'est normal, Lyon. S'il pleut c'est normal. En parlant de Nicolas Latifi, normalement, lui, c'est sûr, il sera chez Williams l'année prochaine. Parce qu'il y a plus en plus de rumeurs qui parlent de Latifi Bottas ensemble, en fait. Ah ouais. Ce serait Latifi numéro 1 chez Williams devant Bottas et de l'autre sens, Roussel irait chez Mercedes aux côtés de Hamilton. Voilà. Et Alexander Albon est pour être placé chez Alfa Romeo. Parce que Red Bull recherche à placer Albon. Pour l'année prochaine. Ils veulent à tout prix qu'Albon soit titulaire en Formule 1. Donc ils ont pas abandonné Alexander Albon. Alors pas du tout même.
Ouais, mais c'est Manchester City, c'est normal. Faut pas rêver, Manchester City, moi, en termes d'équipe, elle est plus forte que le Paris Saint-Germain. Ils ont une sacrée équipe, Manchester. Mais je pense pas que ça fasse peur Manchester City d'avoir Messi et toi en face d'eux. Donc voilà. T'appelles ça un score léger, toi? 5-0, t'appelles ça un score léger? C'est en train de foutre une raclée à Arsenal, t'appelles ça un score léger? Welcome to Premier Mode. Voting is about to begin. Vote to ban first or pick starting side later. Ils sont en train de démonter la gueule de l'Arsenal, mais bon, c'est normal. Waiting for opponent. Ouais, mais bon, quand même, heureusement qu'il y a un gardien de but à Arsenal. Je pense qu'heureusement qu'il y a un gardien de but à Arsenal, parce que... Mais bon, l'entraîneur de Arsenal, il va bientôt être viré, c'est pas possible. Mikel Arteta, ils vont le virer. C'est pas possible, les résultats sont catastrophiques. Ah bah putain. Eh ben dis donc, si pour eux c'est léger. Waiting for opponent. En finale ancien. En finale, il y a ancien. On n'a jamais vu ça. Bon, ça va pas passer, mais il y a ancien. Bah mais ils auraient... Je comprends pas, il aurait dû être viré Arteta. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut encore à Arsenal lui. Inferno has been selected. Vote for your team's starting side. Je pense ouais. C'est même sûr qu'ils ont troll. Inferno. You will be starting on the CT side. Bah, c'est 5-0, c'est déjà un gros score. Ah ouais. Tu verras jamais l'OM mettre un score de 5-0. Lol. Ah what? Mais what? J'ai foutu deux headshots avec le Deagle et je suis même pas cas. Hello. Hello. Ah ouais, mais y'a pas besoin d'acheter toujours un sujet Kevlar au début, ça sert à rien. Putain, je suis con. Bah tant pis. Dans la vidéo, ils disent que ça sert à rien d'acheter des Kevlar et tout au début. Bah tant pis, c'est fait. XBB. Okay.
Mince, j'ai pas le bon ciblé. Too short. One long. Ah merde. Ça commence mal la game. Ça commence super mal. Parce que le problème de CSGO, vous avez la partie collective. Donc la collective, pour moi, collectivement, on gagne 2-0. Mais vous avez aussi la partie personnelle. Et moi, bah, la partie personnelle, ça me plaît pas. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a MC Shildy sur le Discord, il a dit d'être tout le temps négatif. Non. Quand moi, j'ai une partie personnelle catastrophique, même si on gagne 5-0, ça me plaît pas. Voilà. Parce que pour moi, la personnelle est aussi importante que le collectif. Dans 16. Ça, je me sens inutile là, vraiment inutile. Bon, moi je meurs pas, mais bon. Là, je suis mort une fois. Smoke.
Diffuse. Diffusing. Still one. Mais pourquoi moi? J'ai rien pour diffuse. Putain. Je comprends pas. Ouais, j'ai presque sûr qu'il était sur le site, le gars. Mais prends pas. Putain, mais je suis nul à ce jeu. Il n'y a aucune amélioration. Non, je pense. Ah, par contre, vous m'avez pas dit qu'Arsenal avait un carton rouge à partir de la 35e minute aussi. Donc voilà, là je comprends mieux. City avec un carton rouge, ça devient injouable. En vrai. Bah après c'est pas une excuse non plus, mais bon. Putain, j'y pas, je suis. Et tu vois, une chip-chip du niveau que j'avais il y a 2 jours, tout est parti, tout s'est envolé. Ouais, c'est sûr, mais bon. Tout s'est envolé, mon niveau sur CS s'est envolé en quelques minutes. En 2 jours, il s'est envolé. C'est surprenant, mais ça va être. Moi, c'est plus je joue à un jeu, plus je deviens mauvais. C'est l'inverse des autres. Donc voilà. Mais ça, vous l'avez pas compris que c'était comme ça, moi. Il y en a plein sur le live qui comprennent pas ça. Attendez, là je fais qu'un kill. 1-3, je me suis trompé. Mais non! Mais on gagnera pas. On gagnera pas, c'est pas possible. Non, non, le plus important c'est pas de gagner. Pour moi, le plus important c'est avoir des stats de plus de 20 kills par game. Si j'ai pas 20 kills, je suis pas content. C'est ça, et ça me donne envie de jouer. Moi, si j'ai pas 20 kills par game, ça me donne pas envie de continuer de jouer en fait. Voilà. J'ai failli arrêter hier à cause de ça. Parce que si c'est pour avoir 5 kills Si c'est pour avoir 5 kills et perdre à la fin, ça sert à rien. Si c'est pour avoir 5 kills et gagner à la fin, ça sert à rien. C'est inutile. Ça veut dire que je me suis senti strictement inutile. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. Je me sens pas utile du tout dans la game. Et ça, c'est pas bon avec moi. Moi, je dois me sentir utile. Là, je donne presque pas d'infos parce que je donne rien. Je parle pas avec mes coéquipiers depuis le début. Sauf que ces derniers temps, c'est tout le temps ça. Hier, c'était ça. Hier, j'ai même pas dépassé 10 kills. Donc voilà. Ça fait mal. Attends, jeudi, je fais 21, 22 kills
pendant les 3 games. Hier, je tourne à 8, 9, 10 kills. J'ai divisé par 2 mes kills en 24 heures. Je n'ai jamais vu. Et aujourd'hui, c'est pire. Parce que je suis encore divisé par 2 aujourd'hui. Je ne comprends pas. Plus je joue, plus je diminue en kills, moi. C'est l'inverse des autres. Ça, je l'avais déjà remarqué, ce détail. Je l'avais déjà remarqué. Hier, j'ai des rentes, faut pas l'oublier. Je suis revenu Nova 1, une chip chili. Je me rappelle parce que j'avais rank Nova 2 avec toi, avec bah, t'étais sur le live. T'étais sur le live quand j'avais rank. Bah, hier, voilà, j'ai vite re des ranks aussitôt. Donc voilà. Ça, faut pas l'oublier que j'ai des ranks. Oui, j'ai des ranks. Je suis revenu Nova 1. Orange, you can stay on me. Mais ils sont dead. Two apps. Mais oui, j'ai des ranks après, je suis fini. Tu pensais que j'avais gardé mon Nova 2? Je l'ai pas gardé. En plus, je sais même pas. Là, ça va refaire comme d'habitude. J'ai rank Nova 2. Et maintenant, je suis spécialiste des défaites. Là, on est parti pour reperdre. Vous allez voir qu'on va perdre. Et dis pas, faut pas dire le contraire parce qu'on va passer terreau. Et en terroriste, on va se faire bouffer. Je suis habitué maintenant. J'en prends l'habitude parce que sur Inferno, terreau, on se fait bouffer. Et ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Ce qui est pas logique parce que c'est une map terreau normalement.
Mais bon. Tiens, en fait, je suis même pas capable de. Je vais vous dire la vérité, soldat, je suis même pas capable de garder un rank comme Nova 2. Dès que je suis passé Nova 2, je dérange aussitôt après. Ce qui veut dire que mon vrai niveau, il est tout dit. Déjà, sur mon ancien compte, c'était déjà pareil. Déjà sur mon ancien corps c'était pareil. Et puis pas l'autre. Mais ils sont cons, putain! Pourquoi il a avancé l'autre là? Comment veux-tu t'en sortir? Comment ça se fait qu'il ait été les chercher? C'est ça qui m'énerve dans CS. Il s'aperçoit même pas que je suis derrière, lui il va le chercher. J'étais bien placé en plus moi. Ça me saoule, ça. Vraiment, il y a que des débiles profonds dans le jeu. Ils sont tous débiles. Sans être méchant. Je suis direct, mais je le pense. Tiens. D'avancer. Ça va, au lieu d'avancer, il aurait dû rester derrière moi, et on aurait pu en avoir deux. Mais ça rush, putain! Il rush de tous les sens! Ah ouais, bah putain, je peux rien faire. Je peux rien faire. Bah, game perdu! Game perdu! Là, c'est sûr, c'est game perdu là. Ça sert à rien de dire l'inverse, ça sert à rien de dire qu'on va gagner. Parce que ça, c'est game perdu en vrai. Ça, faut être réaliste, faut observer les games. Les joueurs qui observent pas, c'est pas bon non plus. Quand t'as une équipe à la cour comme ça, qui gâche tout le temps, qui est nulle à chier, c'est même pas la peine. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver là. Mais ça sert à rien de dire l'inverse. Tout seul, tu peux rien faire. Vraiment, j'en crois pas mes yeux. Je tombe encore à nouveau avec des équipes de merde, comme hier. Ça revient comme avant, en fait. Il y a 3 mois, c'est à cause de ça que j'avais arrêté CS. Parce que je suis tombé qu'avec des équipes de merde. Et ben là, Rebelote, c'est la même chose. Ça commence vraiment à me saouler. Après on dit que je m'énerve. Ouais, c'est normal. C'est normal de s'énerver. Allô? Salut! Salut Kev, ça va? Et toi? Ça va. Y a personne là-bas. Tu vois quoi? Bah, je suis sur CS là. Oh, je l'ai raté. Mais non, c'est pas vrai. Mais il est Ah con ben. aussi. Ouais alors. Ok, pas de soucis. Je sais pas, heureusement que je l'ai raté. Mais il est con. Alors, moi, je l'ai raté, mais l'adversaire, il est con aussi. En vrai, parce qu'il m'a même pas. Je lui tire dessus avec une AWP, il s'est même pas retourné. Après, en termes de multijoueur, moi je voulais refaire du Among Us, mais y'a personne.
C'est ça qui est chiant, y'a personne. C'est ça qui m'énerve. Oh non! Bon, j'en ai tué un. Je sais pas où il était le deuxième. Vous l'avez vu le deuxième? Ok, pas de soucis. Pas de problème. Ouais, mais bah, le problème, c'est que même si t'es là, y a deux. Ouais, y aura jamais assez de personnes en vrai. Parce que sur le live, y a Moderne. Je sais qu'il y a Moderne. Il était sur le live, je sais pas s'il m'entend. Mais à part Moderne, il y a Fardams qui est là, mais Fardams, lui, il va pas y jouer. J'ai pas fait gaffe au deuxième aussi, donc je savais même pas où il était. Donc, ouais, compliqué. Oh, c'est pas grave. Là, je vais rien dire, je l'ai même pas vu, donc... Je pense que... J'ai un doute, mais je pense que le deuxième, il était, tu vois, bah, là, il y a Alpha qui va avancer. Regarde. Je pense que le deuxième, il était là, juste à gauche, là, dans le trou. Et je l'ai pas vu. Il a dû décaler sa tête quand j'ai tué le premier. Je pense qu'il était là, le deuxième. Mais bon, ma stratégie était bien. Ouais, mais je disais, ouais, pour Among Us, c'est compliqué. Après, faut voir sur le Discord, envoyer un message sur le Discord pour voir, mais... Sur ce Discord-là et sur l'autre, peut-être, mais sur l'autre, je suis pas sûr qu'il y ait du monde, du dispo. Ouais, faut que je voie. Mais bon, à mon avis... Merde, j'ai oublié de mettre le lien. Putain. On va supprimer. Grenade out. Je suis en train de faire comme un Among Us là. Je vais envoyer ça sur un autre Discord que je connais. Et on verra. Enfin, on a le temps de toute façon, même si ça commence qu'à 16h ou 17h, c'est pas grave. Putain! Ah merde, et l'orange qui arrive pas. Là c'est sight orange. Oh non! C'est chier! Ah, tu vois, sur le Discord que je connais avec des gens, d'autres streamers, ils répondent pas pour l'instant. Et sur notre Discord, il y a personne qui répond non plus, hein, comme ça. Donc, super! Après, on va attendre un peu, c'est pas... Après, on va attendre, peut-être qu'il y en a qui vont réagir. Après, bah, merde, j'ai encore pas vu le deuxième. Voix de mid.
Par contre, il y en a qui ont quitté le Discord entre temps de ceux d'Among Us. Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais envoyer des messages en privé. Original, non. Mais je pense que. Je vais demander en privé pour voir. Ça pour me rép- en privé, ça répond plus facilement que sur un Discord. C'est chiant, mais. Ah, peut-être Lolo. Il va me répondre, j'ai des problèmes de co. Mister Provost, il est. Bah. Y'a pas de. Be safe, my friends. Bah, je croyais avoir Mister Provost en privé, mais il y est pas. Bah, super. 10. Faut être 10 à Among Us. 10 ou 15. Parce que maintenant t'as le truc à 15 maintenant. 10 minimum, 15 max. Mais là pour l'instant on est que 2. Donc voilà. One long. Bah last egg. Ouais, mais 8 c'est différent. Bah, après, déjà, on les a pas les 8 parce que pour l'instant on est que 2. Pour l'instant on est que 2 là. Y'a pas eu de réponse. Je vais voir, j'ai envoyé un message via Yui, celui qui était venu l'autre fois avec nous. Hop. Parce que Mister Provo, il était. Pas de Mister Pro, super. Bah ça dépend de la map, la grande map 15 c'est bien. La grosse map à 15 c'est impeccable. J'ai même pas acheté d'armes moi. Mais merde. Mais bon, pour l'instant, on est que deux, donc personne répond. Donc voilà. Bon, je me reconcentrerai dans la game pour l'instant et on verra ça après. Donc, on verra ça après. Je vais voir si j'ai pas envoyé des messages directement sur Steam parce que sur Steam ça les réveille quand ils reçoivent des messages les gens. J'en prends l'habitude en vrai. Parce qu'ils reçoivent une notification donc c'est automatique. Mais non. Bah par contre faut que je change de compte Steam, c'est pas le bon que j'ai. Bah attends, je vais me connecter. Bah ouais, je suis con, j'ai mon portable. J'ai oublié que j'avais un.
Ah bah ça fallait s'en douter que les ferries seraient éliminées là. Steam. Allez, mais va sur Steam toi, mais qu'est-ce qu'il fait le PC portable? Il fait rien lui, il fait la sieste. Super. Enfin! On est en train de m'installer Football Manager 19, l'ordinateur portable. T'es en train de faire une mise à jour de Football Manager 19, mon ordi PC, mon PC portable. C'est pas mal. One apps. Ah merde! Attends, déjà, on va faire un truc, mon code c'est pas grave, je vais désinstaller. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va voir après. Among Us, Among Us, il est là. Je vais voir. Il y a 18 amis qu'il a. Ça se voit qu'il y en a quoi. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué dessus, putain. Ça se voit. Oh là. Là, par exemple, Modern, il est dans sa bibliothèque. Je suis même pas sûr qu'ils avaient installé son jeu. J'ai entendu regarder les membres Steam sur mon portable et... Là, de ceux que j'ai joué à Among Us récemment, il n'y en a que 5 de connectés. Vu ce que je vois. Mais moi, que je joue à 6, il n'y en a que 6. Mais sur les 6, est-ce qu'il y en a qui voudront venir? C'est pas sûr. One apps. Mais merde, y'en a un qui passe devant moi. Two apps. Attends, je vais envoyer des messages. Avec l'ordinateur. C'est un adulte là. Bon. La dernière fois qu'on a joué avec lui, il donnait tous les coupables. Je me rappelle ça. En privé, il m'envoyait les coupables. Ah bah oui. Super. Donc, bah, là... Donc bah, quand il mourait, bah, la game était finie. One City. One Sight.
Gipen, lui, je lui envoie un message, je pense qu'il viendrait. Je pense que lui viendrait. C'est même sûr. Ah tiens, Gipen, on pourrait être 3 d'Adushka. Déjà, c'est bien. Ce serait 3. Ok, ça c'est fait. Ok. Non, non, je vais pas envoyer un message à Flou, ça sert à rien. Mais n'importe quoi. Tiens, Naxou, peut-être Naxou. Tu lui demanderas à Naxou, Flo quand il reviendra. Attends, les autres, ils sont en ligne. Les autres, ils sont en ligne. Super. Bon bah pour l'instant j'aurai 3 joueurs. Let's go. Peut-être fait tard, ils sont connectés sur le Discord, faut voir. Faut voir ça. Tu vois, un chip, j'ai dit qu'on propose d'autres jeux, d'autres choses, bah y'a personne. C'est ça qui est chiant. Là, par exemple, je propose de faire du Among Us, mais y'a personne. À part Dadushka comment il s'appelle là? À part Dadushka merde. Et Dorian, c'est Dorian son prénom. À part ces deux-là, on est que 3. Après, je sais que sur le live, y'a Zelevo et tout. Sur le live, je viens de le voir, il parle pas millier. Une fois, je lui avais proposé de faire du Among Us à Zelevo, il a pas voulu me dire. En plus, il l'a aussi le jeu. One up, c'est Blue. Donc voilà. Après c'est même pas la peine de le proposer à... Même pas la peine de le proposer à Alex et Homme et tout ça. Ouais, j'ai vu ça. C'est même pas la peine de le proposer à Alex et tout parce qu'il viendra pas donc Parce que pour Alex c'est de la merde le jeu. C'est un peu dommage parce que... C'est un débutant donc Tout le monde est passé par le mode débutant. Mais bon. C'est dommage. Ouais, j'ai supprimé l'annonce live parce que je me suis planté.
Il y a eu son crash au goût. Ah merde. One apps blue. Azélé, oui, attends, j'ai envoyé un message en privé. J'ai envoyé un message à Azélé, il va faire un troll de tête. La tête qu'il y a à faire. J'ai envie d'envoyer un message à Azeléo en privé parce que je lui ai dit que je savais qu'il était sur mon live. Merde, j'ai une arme. Bon, Azel, il m'a dit non, on peut pas. Par contre, Atis, j'attends sa réponse et je lui dis là bientôt et. Bah oui, ils sont calmes, lol. Oh bah ils parlent de Formule 1 et tout, à un moment ils ont parlé que Lando Norris a eu un crash, donc bon. Donc voilà. Après non, sur CS c'est plutôt calme. Attends, j'en ai plus en bras un là. You can plant. Après non, mes viewers vont pas le manger, ça c'est sûr. Surtout que t'en as certains que t'as peut-être déjà vu sur ton live. Ah ouais. Bah t'inquiète, c'est pas grave. On recherche des joueurs, on a du mal à trouver des joueurs pour un Mangles en fait. On a du mal parce que bah y a de moins en moins de monde qui y joue en fait. Bah y a Johan qui est là. Bah Johan, je suis pas sûr qu'il ait parlé sur ton log. Tokita il est pas là, mais je crois qu'il a déjà parlé sur ton log, Tokita. Oh ouais. One mid. Mais là il parle pas là. Donc comme il n'y a pas de Formule 1, bah il parle pas. Il ne parle pas du tout. C'est des morts vivants.
Ça parle pas sur le live, c'est super calme. What? Y'a que 3 joueurs en face de nous? D'accord. Bah y'en a certains qui regardent la Formule 1, donc voilà. Après CSGO, c'est pas le jeu où ça parle le plus en vrai. Voix longue. Je me suis pris une tête, je l'ai pas vu passer. C'est le groupe Twitchbook, y'a personne qui a répondu. Ce Twitchbook, y'a. Je comprends pas. Bah, Yui, c'est des co, peut-être essayer d'envoyer des messages en privé. Voir. Bah. J'ai fait avec toi. Parce que là, les Discord. Ah, si, alors, j'aime bien, y'a mon fondateur. Ah, c'est un peu spécial, oui. Mon fondateur lui envoie un message Keep Among Us, I Be Even. La réponse de Alex et Noris, c'est crash. Voilà. Je pense que même n'importe quoi. C'est super la réponse d'Alex. Donc on demande aux gens s'il y en a qui veulent venir sur Among Us et lui il répond Noris, ça crash. Ou pas. Je sais pas tirer. I am planting the bomb. Je vois son nom là. Bomb has been planted. Terrorists win. Ah bon, on a gagné. Ouf. Non, c'est juste que j'ai mal visé en vrai. J'ai super mal visé en vrai, j'ai visé à côté. Mais non! Oh non, enfin match nul! Ok, à plus, Adzaevo. Et bonne fin d'après-midi à toi. Bon bah, match nul. Bon, je vais essayer d'envoyer des messages en privé à ceux de Twitchbook et ceux de voir s'il y en a qui veulent venir. On va voir. Mais avant, je vais aller manger un peu, j'ai un peu faim. Super. Vraiment de la merde. Bon, je change le titre du live quand même, on va mettre Among Us pour voir si ça attire du monde. On va commencer directement. Par contre, je change le titre, je vais faire l'inverse. Je vais enlever Tourne la roue et gagne ton jeu pour les subs et je vais l'enlever provisoirement pour le jeu et c'est pour attirer du monde. On va faire comme ça. Parce que si je mets en deuxième partie...